Monster Kill. Et salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Shadow Warrior 2, pardon, j'avais complètement zappé le titre exact du jeu du ninja fou Marcus Bonus, c'est vraiment ça que j'allais dire finalement. Donc nous repartons, la voie du monde, nouvelle quête proposée dans la région de la montagne du dragon, la voie du Wang. Elle constitue une série d'épreuves, point d'interrogation violet, dans lesquelles vous devez tuer tous les ennemis sans mourir pour remporter une précieuse récompense. Venez à bout des épreuves pour gagner des orbes de Mazamune et débloquer, j'ai pas eu le temps de lire la suite. Oh oh, c'est ici. Ok. Ok, on va aller s'en faire quelques-unes, chers amis. Il est temps! Il est temps et ça a donc ouvert ce passage! Ok. La voie du Wang. Hop, tiens, il y a une échelle ici. Pourquoi mettre une échelle à côté d'un passage normal? Oh mon dieu, il y a des cailloux! Des cailloux! Et encore! Des cailloux! Oh là, d'accord, ok, j'ai compris. Ok. Utilisez, c'est parti, c'est la première épreuve que vous devez franchir pour débloquer la capacité d'imprégnation d'armes dans l'enclume de Maître Smith, mais qui améliore les caractéristiques d'une base d'une arme en sacrifiant des orbes de Mazamune. Acceptez-vous cette épreuve, petit scarabée? Oui! On va aller se faire ces épreuves, chers amis, vu que c'est de la défouraillage brut. J'ai besoin de tout défoncer dans ce jeu. De toute façon, j'ai l'impression que plus on part avec de bonnes armes, mieux c'est. Et surtout, je m'éclate sur ce jeu. Putain, c'est un putain de défouloir. C'est génial. C'est absolument génial. Et mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai remarqué que les contenus où je rage, vous regardez plus. Et les contenus où je m'éclate, vous regardez... des moins. Il y a de la lave. Wow! Ok, bonjour. Ok, vas-y. Ramène-toi. Je suis dans la lave, quel con. Ok. Wow. Oh la vache. Oh, c'est atrocement dur. Réessayer. Alors c'est atrocement dur parce que le placement est aussi extrêmement important. Je ne sais pas si je peux aller sur les toits. Je pense que ce serait une bonne idée d'aller sur les toits. Honnêtement, pour le coup. Alors je suis désolé parce qu'en fait c'est terrible. Je viens de faire la jauge pour le fuel, vous savez, pour le chauffage. Et je pue. Mais alors, je pue le fuel. Waouh, la map a encore changé du coup. Ok. Et j'allais dire que je voudrais aller sur les toits, mais. Je sais pas si j'aurai le droit finalement. Non. Non, apparemment c'est mort hein. Eh bien, voir papa. Il fait quand même atrocement mal. Putain, je suis coincé à chaque fois dans les murs, c'est casse-couille. Mais putain, mais. Arrêtez de me coincer dans les murs! Ok. Vulnérabilité au feu. Je crois qu'il va falloir que je fasse beaucoup plus de trucs comme ça. Putain, mais ils sont tellement nombreux. Je peux tellement pas me balader. Putain, mais je crois que c'était un bonhomme ça en fait. Mais non. Et pourquoi ils ont le droit d'aller sur les toits et pas moi? Ok. Non, j'ai vraiment pas le droit hein. Ok. Bon, ça se passe pas trop trop mal cette fois-ci. Wow. Ok, on va partir là-dessus finalement. C'est quoi tout ça? Il y a des trucs qui apparaissent au sol. Aïe. Dégage. Ok. Dégage. Ça a l'air de faire les dégâts qu'il faut. Donc c'est assez cool. Et j'ai l'impression que tant que je reste au milieu... Bonjour, je t'avais pas vu, t'étais pas assez grand encore. Il en reste beaucoup apparemment des ennemis. Oula, je l'ai eu. Ok. Crac. Ouah, mourez. Oh, ça rebondit. Ok.
Bien dé. On va rigoler. Est-ce qu'il reste des gens? Apparemment oui. Hein. Qu'est-ce que... J'ai plus de balles pour l'autre? Ok. D'accord. Ça je me rappelle plus que je me rappelais pas trop ce que c'était que cette arme. Finalement... Je m'en souviens maintenant. Wow, t'es quoi toi? Cthulhu? Ok, allez, viens. Viens. Non. Tu soignes personne, d'accord. Ça c'est un soigneur. Ça je sais pas ce que c'est. Si, c'est très simple à buter ça normalement. Boum. Voilà. Je laisse des bouts partout, c'est rigolo. Qu'est-ce qui reste? Un truc au-dessus? Non, il est pas au-dessus, véritablement. Il est juste là. Je l'ai eu. Je l'ai loupé. Viens me voir. Viens. C'est bon. Succès débloqué. Disciple de la voix du Wang. Du Wang, pardon. Ok. Ça en fait une. Quittez l'épreuve, chers amis. Donc, c'est bon. Donc, on a quitté le truc. Bon. Ça se passe bien. C'est dynamique. C'est un bon DLC. Alors, ça faut savoir, c'est que c'est un DLC à la base que j'avais obtenu via l'achat du jeu. Donc, j'avais déjà dès l'achat du jeu, mais il n'était pas encore sorti, je crois. Ou alors, je n'étais pas encore en mesure d'y avoir accès. Ce qui veut dire que jusque-là, tout ce qu'on a vu, c'était un putain de tutoriel. C'est incroyable. Mais bon, on a. Ah oui, d'accord. Donc, je peux refaire celle-là. Alors, si je la refais, est-ce que ça me rapporte des trucs? Apparemment. Et ici. Difficulté 2. Donc, j'imagine qu'à la toute fin, il y a un truc en plus. Parce que vous voyez, c'est l'épreuve d'imprégnation 2. Donc j'imagine que soit à la fin, parce que pour que ça, pour, il faut qu'il y ait une rentabilité à la difficulté normalement. Dans tous les jeux vidéo, c'est comme ça. Donc je sais pas. Je vérifie que ça tourne bien. Oui, ça tourne. Parfait. C'est parfait. Tout est parfait. J'adore ce jeu. Ce jeu, je m'éclate dessus. C'est violent. Wow. Bonjour. Tu l'as senti passer? Oh là. Boum! Wow! Je pensais que ça lui ferait plus de dégâts que ça. Ok. Merde, j'ai dû me servir de mes mains. Il m'a complètement bloqué dans mon truc. Raté! Aïe! Non, ils m'ont touché en fait, j'ai rien dit. Redescendu, c'était pas prévu. Oh la vache, ils sont nombreux dans le coin. Hein. Je veux pas dire, hein, mais... Ils sont où? Raté! Je crois qu'ils sont tous en train de venir, en fait. Wow! Bonjour! Oui, c'est bon, j'ai réussi. Ok. Wow, j'ai rebondi sur sa gueule, c'était pas bon signe. C'était pas une bonne chose. Oui, viens par là, ça tombe bien. Je dois recharger mon gun. D'ailleurs, en parlant de gun, j'ai 20 balles là-dedans. Vas-y. Tu l'aimes? Oh, tu heal des... Ah merde, j'ai loupé. Non, je t'interdis de healer les autres. Merci. Par où je dois aller? Par là. Ah merde, j'ai loupé mon tir encore. Hein. C'est pas bon, hein. Ah, je l'ai encore loupé. Quelle horreur. Calmons-nous. Allez. C'est bon. On a un petit peu de ki ici. Non. Ok, on survit. Allez, bien. Voilà, problème résolu. Oups, raté. Ça fait mal? Non, ça a pas l'air de lui avoir fait trop mal celui-là. Ok, j'ai ici. Eh ben non. Salut les filles. Ça fait mal par contre, hein, n'est-ce pas? Ok. Je recharge un petit coup.
Va sauter un truc nous, ça fait longtemps. Ok. J'ai fait suffisamment de dégâts. Raté, dommage. Venez me voir. Repars. J'ai vu un truc, ça ressemblait vaguement à une arme. Il y en a qui me pètent au nez par contre, ça pue. Vraiment. Désolé. Vous pouvez pas faire un petit groupe? Un petit tas d'ennemis? Non, ça vous intéresse pas un petit tas? Vache, j'ai pris tellement cher sur ce coup là. Ok, et de 1, et de 2. J'ai encore pris cher. Ils sont très nombreux, non ils sont plus très nombreux, on peut peut-être faire un petit groupe. Un petit tir groupé. Allez, viens. Il en reste plus qu'un. Désolé. Boum, j'ai eu les deux, cool. Bah écoutez, ça se passe pas si mal. On vient d'en faire deux épreuves. C'est très très rapide, extrêmement intense, hein. Vous avez pu voir que j'en chialerais presque. Tellement il y a de l'action à l'écran que je suis pas. Ok, bon, ça se passe bien. Je m'éclate. En tout cas, moi je m'amuse. Je sais pas vous, mais moi je m'éclate sur ce jeu, hein. C'est un putain de défouloir. Ah, ça fait du bien. Par contre, il y a juste une chose qui m'inquiète, c'est est-ce que je récupère mes munitions? Non. Donc, potentiellement, il va falloir faire le plein. Larry! Le plein, s'il te plaît. Bonjour, Larry. Qu'est-ce qu'il y a à vendre ici, Larry? Transpercement sublime. Ah, ça peut être intéressant. Oh, ça doit faire du bien. Je vais prendre ça, parce qu'il va être temps que je m'y intéresse. Toutes les munitions, merci. Il va être temps que je m'y intéresse à tout ça, je pense, hein. Clairement. J'ai 3 points à mettre, donc faut que je les mette de manière efficace, à mon avis. Je vais mettre ça à fond, comme ça je suis pratiquement certain que j'ai sur un ennemi sur deux, j'ai des trucs en plus. Ça va être clairement cool. On va aller voir, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de point d'interrogation, de point d'exclamation supplémentaire qui est apparu. Donc ça m'inquiète. D'accord. Mais ok, bizarre. Bon bah apparemment ça veut pas m'en donner plus. Ah, je voulais atteindre le... Oh. Alors celle-là je l'ai pas vu venir. Je pensais pas pouvoir l'atteindre en fait, hein, tout simplement. Bah c'est assez cool en soi du coup. Et je peux casser des choses. Merde. Ok. Alors ça non plus je pensais pas y arriver mais... Pourquoi pas. Donc apparemment j'ai une mission à prendre ici. Donc j'imagine que je vais en débloquer de plus en plus au fur et à mesure que je vais faire mes missions. Tout bêtement. Comment ça encore plus haut? Comment ça encore plus haut? Ah, attendez. Maître Wang, sauvez l'esprit de... Oh, sauvez l'esprit de... C'est le Père Noël. Ah non, non merde, je crois que c'est ça. Maître Wang, tout d'abord, je vous prie de m'excuser de vous importuner pour une affaire aussi futile. Notre dojo a engagé un faux Père Noël afin d'entretenir chez les enfants l'illusion que ce monde est aussi fait de rêves et de miracles. Malheureusement, de regrettables circonstances nous ont fait perdre sa trace. Lors de notre dernier contact, il était à Calamity qui, comme vous n'êtes pas sans le savoir, a subi de plein fouet les effets de la pluie noire. Je crains le pire, c'est pourquoi je m'adresse à vous, Maître Wang, pour retrouver notre Père Noël et rendre le sourire aux enfants de notre dojo, votre humble serviteur, pardon, Hideo. PS, le Père Noël n'existe pas, c'est une fausse rumeur lancée par les parents et les multinationales du jouet. Ok, pourquoi pas.
C'est exactement ce qu'il a dit, hein. On va aller faire toutes les récupérations de missions, puis on va aller faire... Merde, il y a carrément... Ah oui, ça doit être la boule. Oui, c'est la boule du Père Noël qui fait ça. Ok. Alors, apparemment, il y a une mission ici. D'accord, ok. C'est une mission chez la fille. Ok, je vais aller la chercher vite fait. Crac. On va tout prendre, hein, chers amis, puis on va aller faire les missions secondaires au fur et à mesure. Tout bêtement. Tiens, c'est ici d'ailleurs. Salut, mon ami! Nous avons un pro... Oh la vache, il y en a deux. Nous avons un problème. Améona a réclamé ton intervention. Bonjour. If it isn't the poster child for Prozac. C'est méchant ça. Come on, you're an immortal being. Aren't you even gonna try to smite me? We have a problem. Ameona has requested your assistance. What could be wrong up here on the mountain? Aren't you guys all walking around with rainbows and unicorns pouring out of your asses? It's not what's up here that's the problem. Some of our number have gone missing. Wait, let me get this straight. There were people who actually chose to stay the hell away from you? Who in their right mind would do such a thing? Laugh all you want, but this is serious. J'aime bien ça, Ash. After going to town for supplies, several of our people never returned. Something foul is afoot. And let me guess, you want me to check it out? Ameona believes the Yakuza may be responsible. Eh bah écoute, s'il faut chercher des femmes, y'a pas de soucis, hein. Je dois augmenter la taille de mon harem, justement, ça tombe bien. Ouh, deuxième chance, c'est quoi? Vous avez une chance d'échapper à la mort en tuant un ennemi. D'accord. Affreuse, pistolet à clous. Kazaguruma, arme de corps à corps. Ça, ça a l'air sympa. Ça, ça a l'air sympa. Oh, ça, ça peut être sympa aussi, hein, vu le truc que ça peut donner. Et là, j'ai eu des coups critiques en plus. Ok, on va voir. Nous sommes à court de thé, je voudrais que tu enquêtes pour comprendre ce qui se passe. Tu voulais me voir, Eeyore? I don't know what to do. Oh no, did you run out of adult diapers again? We have completely exhausted our supply of tea. I'm gonna go ahead and file that under... C'est quand même fou, hein. Problems. Do you have any idea how much that stuff costs these days? Ameona takes her tea every day at 4. It simply cannot be missed. C'est con. Okay, where do you usually get it? We have tea plantations deep in the wildlands. D'accord. But we have not had a shipment for days. Donc ils envoient des filles pour l'invitaillement, personne revient. Ils envoient des gens pour chez thé, personne revient. Vous dites pas qu'il y a un problème chez vous. Upset. All right, I'll check it out. But just for the record, this is the least gangster thing I have ever done. Thank you, Lo Wang. Your generosity will be remembered for generations. Just like your body odor. Oh, what? Ah, je viens de lui dire qu'il pue, mais il a pas compris. Comme moi. Je pue au moins tout autant, chers amis, vu que... Avec tout ce que j'ai comme fuel sur ma gueule. Hop. Crac, c'est bon. Il y a même pas de temps de chargement entre ces deux endroits, chers amis. Ça, c'est un truc de fou. On arrive vraiment à commencer à faire des choses vraiment amazing. Ok, bon il paraît qu'il y a un truc sympa, vous m'avez dit par là. Ça fait très longtemps que vous me l'avez dit, mais... Oh. Je fais quoi tout ça? D'accord, mais c'est uniquement pour... D'accord, purifie une gemme. Finir les épreuves sont épreuves de purification 1, épreuve de purification 2, incruster une gemme. Incrustation et imprégnation. D'accord. Ok. Et je sais pas, imaginons que je veuille incruster une gemme là-dedans. Ouh. Carrément. Ça c'est intéressant. Wouah, il va nous en falloir plein des gemmes par contre. Ok, ça me plaît. Ça me plaît, chers amis. Bon, on se retourne directement, voilà, au niveau de la statue. Parce que voilà, hein, la statue elle est belle. Elle est présente. Ah oui, téléportation. Oui, c'est parce que j'ai confondu téléportation et téléportation. C'est-à-dire que ça pour moi c'est de la téléportation. Mission principale, m'intéresse. Alors faites le harponneuse, le fusil de Gauss. Le fait est prière, d'accord, ok, donc non.
Vive le Wang, vive le Wang, vive le Wang d'hiver, qui s'en va souvent soufflant dans ses grands sapins verts, je sais plus c'est quoi la suite. Allez à quel amitié rapporter les cadeaux de Noël qui devaient être livrés sur la montagne du dragon et découvrez ce qui s'est passé avec le faux Père Noël engagé par Hideo. C'est parti, on y va. C'est la combat, chers amis. On va aller voir, on va essayer d'aller sauver Noël. On en est où dans l'épisode? On en est à 20 minutes. Je lance une mission à 20 minutes parce que je suis comme ça, je suis un fou. Ok, suite. Chargement et suite, chers amis. Allons-y. Je suis un kung-fu. J'ai essayé de meubler avec une blague, mais j'ai pas trouvé ce qu'il fallait, je crois. J'ai l'impression que plus je me tripote les cheveux, plus je pue des cheveux en plus. Il va y avoir un changement radical, chers amis, dans ma coupe de cheveux aussi, hein, prochainement. Là, je pense que ça va être la semaine prochaine. Ça va vraiment être radical. Hein. Je vais garder, je pense, la grosse mèche rouge au-dessus, mais je pense que je vais voir ce que je vais faire avec le reste. Hein. C'est... Oh, c'est beau! C'est beau, c'est beau! Mais chéri, chéri! Coffre. Coffre. Oh putain, c'est des cadeaux. D'accord, ok. Les dents tout à fait convaincues et les dents tout à fait topides ont trop de points communs pour que cette ressemblance soit fortuite. Robert Anton Wilton. D'accord. Ok, il y a des sapins de Noël partout. Oh, you touch my tralala. Ok, c'est bon. Et je saute. Ah, je crois qu'ils m'ont vu. Non. Ils m'avaient loupé, les mecs. Hop, raté, t'es mauvais. Oh pardon, excuse-toi. T'es où? Reste pas par terre. Désolé pour ta jambe, c'était vraiment pas... Oh, le pouvoir est vraiment sympa. Oh, le pouvoir est vraiment sympa. Alors là, je regarde, chers amis, parce que là... Là, moi, j'ai utilisé ça, à la base. Oui, ça. Bon, c'était intéressant en termes de tanking. Mais alors là, qu'est-ce que je peux y mettre? D'accord. Normalement, je peux pouvoir filtrer. Voilà. Ok. Six, quatre. Voilà. Et on n'aura plus qu'à voir si oui ou non c'est efficace. Ah, du coup, vous voyez qu'ils vont lâcher beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de comment que s'appelle de... Il y a un gros dans le coin. Ah oui, il est là-bas. Effectivement, il est gros. Ah, il était hors de portée ce coup-là. Ok, bon, on va aller le chercher, c'est pas grave. J'aime bien les gros. Vulnérabilité électricité. Ouf. Ah la vache! C'est dégueulasse! Oh, c'est lent par contre comme arme. Oh! Oh, mais c'est le Père Noël! J'arrive même pas à me soigner! Ah si, c'est bon, c'est parce que je l'ai trompé de touche. What the. Hop! Ah mais vous êtes dégueulasse! Tous autant que vous êtes! Ah! Ah mais t'arrêtes avec les... Par contre, il fait pas si mal que ça finalement. J'ai 30% de chance d'y arriver normalement.
Ah, c'est dégueulasse. Ah. Ok. Guérison noble. Ah oui d'accord, c'est un truc de dead. Oh, qu'est-ce que c'est? Énergie de fureur, d'accord, ok, je suis full. Parfait, j'avais oublié que c'était ça. Ok. Ce qui en fait est en train de bourrer encore plus mon inventaire en fait, grosso modo, c'est ça? Plus ou moins en fait hein. Bon. Désolé. Viens me voir. C'est vraiment mauvais les mecs, hein, je veux pas dire mais... Ok, bon il y a des cadeaux apparemment par ici. Ah. Ok. Petit cadeau. Y'a pas d'ennemis qui pop? Quel dommage. Oh. Bah, j'ai rien à dire, y'a des ennemis qui pop finalement. Ah. Vous avez pas aimé hein, forcément. Vous faites des cadeaux et vous aimez pas. C'est bon, le problème est résolu. Vous vous êtes calmé. J'imagine que c'est un gros cadeau. C'est un petit. Et là, il y a des coffres partout. Ok, on va y aller. Hein. J'ai besoin de tous ces coffres. Ah. Ah oui, j'avais oublié cette histoire. Apparemment, il y a certains murs invisibles mal placés. Bon, c'est pas grave, tout ça, je l'avais déjà. Ok, la suite. Apparemment, il y a une maison ici. S'il y a une maison, il y a un coffre. S'il y a un coffre, il y a des choses dedans. Adresse sublime sur fougue. Ça a l'air intéressant. Vous voyez, là, par exemple, il y a une croix. Il y a clairement une croix, ça veut dire quelque chose. Mais alors quoi? Mais alors, ça voudrait dire ça? Si c'est le cas, il suffisait de le dire plus tôt quoi. Hello. Oh, un gros coffre. Ok, cool. Merci, je suppose. Là, il y a un gâteau chinois juste à côté en plus. Il y a même deux gâteaux chinois juste à côté. Merde, il y a des gâteaux chinois partout. Ok. Gâteau chinois. Pardonnez tout d'abord à vos ennemis, rien ne peut les hériter davantage. Outkarwad. D'accord, ok, cool. C'est vrai qu'en un sens, c'est un très très bon conseil. Oui, c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai défouraillé par là, finalement, j'ai pas rencontré tant de monde. Apparemment, j'ai pas le droit d'aller plus haut. Attendez. Il y a de la... Ah, génial. J'adore ce jeu, il est trop rigolo. Ok, donc vous voyez, regardez, petit passage ici, vous pouvez y aller, et vous avez un coffre. Avec rien dedans, mais vous avez un coffre. C'est toujours ça de prix. Hop, merci pour l'argent. Là, il y a un gâteau chinois. Le renard a volé le corbeau, d'accord, mais le corbeau, il l'avait eu commande ton fromage. Ok, oui, c'est vrai, c'est une très très bonne question. On est bon. Il y a des monstres dans le coin. Oh. Oh non, pas encore toi. Ok. Je résous des problèmes de nuisibles avant d'aller plus loin. Ah, c'est dégueulasse, vraiment. Je veux pas dire, mais c'est royalement dégueulasse. N'en reviens pas, s'il te plaît, ça m'intéresse pas. Oh merde, il revient. C'est bon, je l'ai eu. Waouh. C'est dégueulasse comme monstre. Ah, enfin bon. C'est pas grave. J'ai juste la gerbe, c'est rien. Ah, c'est cool de voir de la santé partout, c'est plutôt bon signe.
quoi ces gonzesses? Désolé. Oh. Ok. On voit des seins ou je rêve? Ok. Alors le truc que j'ai utilisé, la l'arme que j'utilise en fait, que j'ai boosté, là sent pas des masses. Je sens pas le pouvoir qu'elle a en fait. Ok, bon, c'est par là que je dois aller pour le moment. Je vais donc me diriger par là. Crac. Oh, il y a un gros boss là-bas. Là-haut. Je veux. Tu veux pas grimper, s'il te plaît? Faut que je fasse tout le tour, c'est nul. Je suis un ninja. Wow. Salut les filles. Comment ça va? Tout se passe bien dans vos vies? Vous êtes en couple pour Noël? Bonjour. Parce que... c'est un pot. Marcus, calme-toi, c'est un pot. Atamari, c'est ça, hein? Pas Matari. Bien joué. T'es moche, mais on voit des seins, c'est cool. Tu veux pas m'attaquer, s'il te plaît? Je crois que ça voulait dire non. Retenez bien cette phrase, hein. T'es moche, mais on voit tes seins, c'est cool. Parce que je vais pas la dire souvent, à mon avis. Non, le jeu veut absolument pas que je grimpe par-dessus ici. Hein. Non, pas du tout. Ah d'accord, oui, c'est parce qu'il y a un... il y a un portail, ok. Cadenas ou pas cadenas? Alors je veux bien que tu ouvres. Il y a un gros boss! J'ai envie de taper sur le boss! Mais là aussi il y a un gros boss! C'est nul. Ok, celui-là je crois que je peux peut-être aller l'atteindre. Boum! Oh! Wow, arrêtez de m'envoyer des trucs à la tronche, hein! J'ai rien fait, c'est mérité. Ça. Fuck yeah! Ouais, je sais, il a dit fuck you, mais pas bon. Un spectre! Non! Bonjour, monsieur les serpentaires! Non plus! Oh, t'as esquivé! Gros tas! Ok, ça se passe assez bien. Il a encaissé sans broncher. Il est revenu? Non, c'est pas le même. Vélocité. Ok, lui je l'ai eu. Lui il a encore envie. Moi aussi je peux le faire. Finalement ça s'est plutôt bien passé. What? Si, ça me dit vaguement quelque chose ce petit passage. Effectivement. Ça me dit vaguement quelque chose. Bon, c'est pas grave. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir passer juste à côté du mec et aller le voir, le boss, là. Et apparemment, j'ai pas le droit d'aller voir ces boss. C'est casse-couille. Ok. Bon, bah, vu que la mission se fait assez rapidement, finalement, je pense qu'on va... on va l'enchaîner, hein. Ah, c'est dégueulasse. Désolé. Je donne du gâteau tinois. Qu'il attend de ta tourie, ne lui fais pas la gueule. C'est vrai que c'est un très très bon conseil. Hop les, ça c'est bon. Merci les filles de passer tous en même temps. J'aime bien faire les tirs groupés, mais là je crois que je fais littéralement un carton. Ok. C'est marrant parce que je le vois très très loin le truc. Et c'est assez casse-couille. Parce que je vais avoir du mal à y aller du coup. C'est tout ça que ça veut dire. Ok. Oh, y'a un gros là. Oh oui, y'a un très très gros serpentaire, effectivement. Ah!
J'ai pas vu comment ils étaient, mais ça devait être sympa. Putain, il est gros. Non, t'es trop gros pour vivre, désolé. Serpentor, pardon, je dis Serpentor depuis le début. Mais... Calmez-vous! Calmez-vous! Voilà, problème résolu. Est-ce que quelqu'un veut négocier maintenant que c'est terminé? Non? Plus personne? Je préfère ça. Ok. Donc il y a de la santé, il y a des munitions, mais il n'y a rien d'autre, on est d'accord. J'ai de regarder sur la map, et je vois rien d'autre. Putain, il était gros quand même, hein, je veux pas dire, mais... Là, les textures étaient limites, hein. Killing you guys is wrong. I don't wanna be right. Y'a un gâteau chinois là-bas. Wow, traquenard. Non. Access denied. Désolé. Où tu es? Oh, tu dois être dans le bâtiment. Ah non, t'es dans le mur. Bonjour. Désolé. Sincèrement désolé. Gâteau chinois. Voilà. Biscuit chinois. C'est pas la première fois. Attends encore d'admettre que tu n'es qu'un loader. Ouais, je suis pas des masses d'accord avec les pensées négatives perso donc. Salut les filles. Tout va bien? Ah merde, j'ai perdu mon... Oh, d'accord. Oh, bien joué. Non, pas deux fois. Point de compétence. Ok, bon, ça c'est fait. Il serait peut-être temps qu'on ressorte quelques guns, je sais pas. On aura fait tout cet épisode pratiquement, enfin toute cette mission encore à corps. Ce qui, je l'admets, est très bizarre. Apparemment, je peux grimper par là. Oui. Ok. Vous êtes quoi pour faire ce bruit-là? Des gonzesses. Oh, désolé, t'es passé devant. Oh, c'est dégueulasse. Bonjour. Est-ce que tu veux accepter de me faire... J'ai pas d'autres ennemis ici. J'ai une derrière. J'aimerais tester, s'il te plaît, le truc de cache. Merci. Ah, voilà. Là, ça l'a fait. Là, j'ai repoussé l'ennemi. Vas-y, encore. Bien joué. Bien joué. Ok, voilà, problème résolu. C'est pas grave. Crac, on est bon. Faut que je continue par les toits. Pourquoi pas? C'est ce que le jeu me dit, hein. Moi j'obéis au jeu là pour le coup. Ok. Noble sur rhinocéros, pourquoi pas? Et apparemment, voilà mes deux derniers coffres. Ah, j'ai deux ennemis aussi dans le coin. Qui semble-t-il sont des boss. Ça se déplace bizarrement. Oh, d'accord. Vous êtes des... Je vous aime pas les mecs, honnêtement. Je sais pas que j'aime pas les... Enfin, peut-être un petit peu comme Indiana Jones sur les bords. Mais... J'ai pas de problème avec les serpents, mais j'aime pas votre système de déplacement. C'est casse-couille. Vous êtes vachement solide pour des serpents. Oh, j'ai loupé. Je suis vexé. Ah, vous êtes solide, vous faites mal, enfin il y a plein de choses en fait. C'est un groupement de plein de choses, les filles. Did you feel lucky, dipshit? Vous l'avez aimé ce coup-là? Je rêve ou j'ai un cadenas sur la map? Ah d'accord, il était verrouillé sous prétexte que... D'accord. Ça j'ai compris. C'est compliqué, mais j'ai compris. J'ai utilisé des balles lourdes apparemment dans cet épisode, c'est cool. J'étais pas du tout au courant. Parce qu'il me semble avoir fait plein de munitions récemment, donc... ça me choque. C'est quoi ça? Je prends. Et le dernier petit coffre. Ok! Chercher les derniers saboteurs de l'esprit de Noël.
On est à combien de temps sur l'épisode là? 40 minutes. On a 200 mètres. On a 200 mètres. Ce que je vais faire, c'est qu'on va cesser là pour cet épisode, je pense. Et on se retrouvera pour la fin, pour les saboteurs de Noël, dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!